Les amateurs lyonnais connaissaient tous Jean Monternier, cet amateur de tacos, comme il aimait lui-même se définir. Dans un article que lui a consacré Le Progrès en 1961, il exprimait sa nostalgie d'avoir vu disparaître dès 1932 tous les trains de son enfance. En 1942, il décida de les faire ressusciter dans son grenier en construisant un vaste réseau autour d'une gare typique, Tacoville. Plus tard, il sera un membre fondateur du CFTM, à l'époque où cette association a pour objet de créer un réseau grandeur nature à mes yeux. Et bientôt, il sera de ceux qui vont sauver la ligne Tournon-Lamastre du chemin de fer du Vivarais. Jean Monternier a laissé une abondante collection de photos sur les chemins de fer secondaires, mais aussi des films en couleur dont nous allons vous proposer une sélection. Ce voyage à travers les secondaires français des années 50 à 70 débute par une évocation des derniers réseaux campagnards que Jean Monternier appelait les tacos. Une appellation très répandue dans le centre et l'est de la France. Ailleurs, on disait plutôt le tortillard ou le petit train.